ça a été une étape vraiment... On s'attendait à ce que ça soit dur, mais ça a vraiment, vraiment, vraiment été dur toute la journée. Ça a bagarré 80-90 km avec cette grosse échappée. Il y a un peu une guerre des nerfs Sky, BMC, Saxoman qui se font la guerre. Et voilà, ça a fait une course un peu pas très débridée, un peu bizarre. Et ça a rendu vraiment la course très, très dure. On a mis 3h30 pour faire 140 km sur un parcours comme ça, c'est... Il y a vraiment eu de la vitesse. Par rapport aux sensations sur la dernière montée, satisfait ? Ah, c'est vraiment une montée spéciale, hein. C'est hyper court et c'est très très explosif. C'est pas vraiment une montée où on prend son rythme, hein. On fait tout à bloc et bon... Je me suis accroché comme j'ai pu et bon, je suis satisfait d'être dans les 10 premiers, d'être dans l'allure, pas très loin de... Pas très loin de Contador, dans le groupe avec Bardet, Rodriguez, etc. Bon, je suis un bon groupe. Honnêtement, l'étape qui me faisait un peu plus peur, parce que beaucoup de petites côtes, c'est très, très technique. Et bon, je remercie mes équipiers qui m'ont vraiment aidé depuis le début et aujourd'hui encore. Je me sens vraiment soutenu et c'est bien qu'il y ait des résultats derrière toute l'aide qu'ils me donnent, qu'ils m'apportent. Vous attendiez à ce que les leaders attaquent aujourd'hui? Certains s'attendaient plus à une course d'attente, attendent plus demain, aujourd'hui, demain. Ouais, mais je pense que c'est la course qui a... La course a été très 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 dure, donc voilà, on est arrivé. Je pense que tous les coureurs qui sont... Enfin, tous les coureurs, on s'est tous présentés au pied de la côte déjà bien entamés, parce que c'était vraiment hyper dur toute la journée.